Je dédie ce morceau à ceux qui traversent des moments difficiles. Seul Dieu peut nous sauver. Et Dieu. Je sens pas de CM2. Je sens pas de CM2. Bon, j'étais à Abidjan avec mon père, ma mère et ma grand-mère. Maintenant, je suis laissée par ma grand-mère par la famille. Et mon papa m'a envoyé à Gagnon dans un camp de prière. Et dans le camp de prière, là-bas, on m'enchaînait, ils ne pouvaient pas procéder à ma délivrance en arrière. Et c'est comme ça qu'un jour, ils m'ont enlevé sur les chaînes et j'ai dit que je me suis évadée. Je me suis retrouvée au couloir de Gagnon. Quand je me suis retrouvée au couloir de Gagnon, les gens m'ont indiqué à l'orphelinat de Gagnon et mon aide. Et les gens de l'orphelinat, ils ont expliqué mon problème. Ils sont rentrés en contact avec mon père, ma mère. Et ils ont fait la rencontre du prophète, papa Joël Crasso. Et c'est comme ça qu'on est venu au centre de Dibou. Et j'ai expliqué le problème à papa, mon papa Joël Crasso. Et Dieu l'a voulu qu'il a procédé à ma tenue. Comment tu t'appelles d'abord? Je m'appelle Boka Tina Nelly Toffel. Boka Tina Nelly Toffel. C'est en temps à Abidjan dans notre oui. Revue. La petite c'est la main de ma maman qui m'a donné ça. Quoi? T'as donné que quoi ça? Elle m'a donné ça, c'est bien. Un jour on était à la maison et puis elle a préparé, elle est venue à la maison. Et puis elle a dit à ma maman que aujourd'hui la tafille, elle n'a qu'à m'assurer que vous pouvez avoir donné à quelqu'un. Et puis quand elle est venue là, en ce moment, maman avait fini de préparer. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a donné et puis elle m'a éloigné de mes autres camarades qu'il ne faut pas donner à quelqu'un. Donc pendant qu'elle mangeait pour moi, les autres mangeaient pour eux. Maintenant, quand elle a mangé là, elle a mis, viens qui était dedans, elle a mis un morceau dedans et puis il n'y avait pas os, il n'y avait rien dedans. C'était un morceau seulement et puis elle a mangé. Quand elle a mangé la nuit, elle est venue me coucher, c'est comme si elle a vu quelqu'un qui était arrêté au mur. Et puis la personne a m'appelé que de l'élever, elle est venue, elle est partie. Et puis elle dit non, qu'elle ne veut pas. Et puis la personne est venue m'attirer et puis elle est partie. Après avant, quand elle s'est partie, je me suis retrouvée dans un coin, il y a beaucoup d'hommes, ils sont habillés en noir. Et puis les chefs de là-bas, lui, l'a vu en rouge, et puis il a assis en rouge, on ne le voit pas. Et puis il y a beaucoup d'hommes qui étaient autour de lui et puis qui l'adoraient. Maintenant quand. Et puis il a vu ma grand-mère là-bas. Et puis ma grand-mère m'a dit que ah, tu t'es retrouvé dans le monde ici là. Le monde où tu t'es retrouvé là. Il n'y a pas gentillesse ici, que c'est méchanceté. Que alors là, tu n'es plus gentil, tu es méchanceté, tu nous appartiens maintenant. Écoute, ce que je vais t'expliquer, quand tu regardes un peu l'histoire, la petite fille n'a rien à voir avec. Bon, c'est pas trop exagéré. Elle est qu'une victime aussi. De toute façon, tu es victime. C'est comme ça qu'elle est victime. Parce que comme pour elle, là, c'est trop visible, on voit ça. Elle s'est retrouvée dans une histoire de sorcellerie. Un matin, une nuit, et puis cette fille, elle a commencé à exécuter les ordres de l'autre côté. Donc là, elle a pris cette force de quitter la sorcellerie. On va beau la frapper, on va beau la mettre dans une prison, ça ne va rien changer. Il faut une action très forte de Dieu pour la délivrer. La seule chose qu'elle reconnaît, elle reconnaît sa sorcellerie. Elle a envie de quitter. Elle a envie de quitter. Mais elle ne peut pas elle-même sa propre volonté. Mais en même temps, il y a des effets. Le dégât est énorme. Le papa qui reste là, c'est le papa qu'on détruit. Et puis, vous voyez comment les gens l'ont blagué. Can you see how Satan needs to be? Ok. Mais Dieu va la délivrer. Amen. Tu comprends? God is going to deliver her. Nous allons t'aider. We're going to help you. À apporter un soutien. To bring support. Si tu es d'accord. If you agree. Avec ton accord. Nous avons un orphelinat. Après, on ira ensemble voir l'orphelinat. We shall go together. Vous allez signer un protocole d'accord pour dire ça de votre part que nous allons l'aider. Nous allons la délivrer. C'est la chose la plus sûre. Mais il faut qu'elle retourne à l'école. She needs to go back to school. Ça c'est important. Il y a son avenir à l'école. Her future is at school. Et nous allons l'aider.
We could nous l'avons aidé à l'éduquer. Help you getting here. Je donne 15 000 francs. I give you 15. Et tu vas prendre ma voiture. Je donne mon chauffeur. Friends, après la prière, tu vas aller toi-même prayer, acheter quelques habits. Il faut qu'elle sente que tu l'aimes. Tu comprends? To know that tu vas aller acheter quelques habits, les pas d'antifrice, c'est qu'elle dont la maison. To fast, to et dans la voiture, dis-lui que tu l'aimes. And the God came without you love her. C'est pas facile. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et Jésus-Christ, que l'amour du Père à l'égard de sa fille, que l'amour revienne, Jésus-Christ. Et que le diable soit humilié. Nom de Jésus-Christ. La sémence qu'il avait mise dans le cœur de son Père. La haine de sa fille est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il voit sa fille comme sa fille, pas comme son ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Satan est un menteur. Il est vaincu. Nous détruisons ses œuvres. Seigneur, merci pour ton serviteur. Que tu libères ce soir. Au nom de Jésus-Christ, de toute cette forme de haine qu'il avait en l'égard de sa fille. Merci notre Dieu de restaurer sa vie. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vois, papa t'aime beaucoup. Tu comprends? Papa t'aime beaucoup. Donc tout à l'heure, ce que tu as fait, il faut lui dire, je mets ma voiture tout à l'heure. Et il faut qu'elle sente, parce qu'elle a besoin de ça. On se sent mieux à l'aise chez soi. On va nous-mêmes la prendre, mais elle se sentira mieux à l'aise quand elle attendra la voix de son père. Et ça, on va crier ça. Mais je pense que c'est l'exaucement de ta prière. Tu as aussi prié. C'est vrai que tu la fuyais, mais tu priais. Tu n'étais pas aussi à l'aise. Et Dieu t'a exaucé. Là où elle est venue, là, c'est fini, Dieu exaucé. Amen. C'est le premier. Je veux dire merci à Dieu parce que je suis devenue très heureuse. La joie que je n'ai jamais vue, j'ai vu aujourd'hui. Je sens que mon bonheur commence à venir aujourd'hui. J'ai passé dans ma vie ici. Et Dieu me s'est souvenu de moi. En tout cas, je suis devenue le premier aussi. Je suis très heureuse. Je veux dire merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci à tous ceux qui sont venus à mon soutien. Merci à tous ceux qui sont venus à ma délivrance. Je veux ici aussi, je veux saluer mon père aussi. Lui dire un grand merci. Lui dire merci pour la vie qu'il a reçue. Donc je veux bénir le nom du Seigneur parce que la manière ma vie était avant ma vie. Si tu es dans la sorcellerie, tu n'as pas une vie calme. J'étais encore dans la vie de la sorcellerie. En tout cas, je vivais une vie de misère. Je souffrais. Mais depuis que je suis venu à Jésus. Le chant avait dit, Dieu a donné la vie à mon âme. Amen. Après tant d'années de souffrance, il a donné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme.
Rien n'est tard, il peut encore changer ton histoire. Oui, Jésus peut changer ton histoire. Oui, donner déjà la possibilité d'expérimenter la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est à vous. Tu es à mon, quelles que soient tes erreurs, quel que soit ce que tu es, Dieu peut encore te changer.